Je voudrais me réjouir de voir les nouveaux locaux du CAFOP de Katiola réhabilités. Il faut savoir que ce CAFOP a été détruit et laissé à l'abandon pendant 18 ans, de 2002 jusqu'à 2020. Et je voudrais saluer la générosité de l'entreprise Colas, qui, après avoir utilisé le site comme chantier pour les travaux de la réhabilitation de la voie Bouaké jusqu'au nord, vraiment cette entreprise a réhabilité le CAFOP. C'est vrai que le CAFOP est réhabilité à 50%, mais aujourd'hui nous avons la possibilité d'ouvrir à nouveau ce CAFOP qui va accueillir ici 260 apprenants. Et d'ailleurs, la rentrée est prévue pour le 8 février. Et nous allons continuer la réhabilitation de l'autre côté afin que toutes les salles de classe soient disponibles pour le bon apprentissage des apprenants qui vont être ici. Donc, je souhaite que les locaux réhabilités soient bien entretenus par Madame la directrice et l'ensemble du personnel. Je souhaite aussi que les apprenants donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais nous ferons en sorte que cet établissement puisse continuer de former les jeunes Ivoiriens afin que nous ayons des enseignants compétents pour cette éducation de qualité que nous souhaitons de tous nos voeux ici en Côte d'Ivoire.